against all the evil that hell can conjure. All the wickedness that mankind can produce, we will send unto them. Only you. Rip and tear until it is done. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau live. Ce soir, j'en ai plein les casse. J'ai envie de jouer à du Minecraft Vanilla. Fait que même si c'est du modé d'habitude qu'on se ferait cette journée-ci. Voilà. Ça lag beaucoup même. Il y a du creeper. Voilà. Je tiens à préciser que j'ai continué de jouer hors ligne, mais pas sur cette map là. Je me suis refait une map à part où j'ai continué de jouer allègrement, hein. Sans me priver, parce que la 1.18 est clairement la mise à jour que j'attendais. Là, j'ai des torches. J'ai des flèches. Il y a du creeper, ça a pas d'allure. Ça va plus haut. Je ferai peut-être un petit tour sur ma map solo à côté pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait là. Mais... Bon.
Ça descend. Ah non, monsieur. Ah non, monsieur. C'est un non, monsieur. J'ai vu les diamants. Je les ai vus. Je comprends pas pourquoi il y a autant de creepers sur cette map. Ma map solo, j'ai même pas autant de creepers que ça. Bon. Ok, ça descend pas pire ici. Ok, bon. On est ramassé. Juste un? Oh non, on me dit aussi. En vrai, ma map solo, j'ai plus avancé que ce que j'ai là, en vrai. J'ai en train d'y penser, j'ai beaucoup plus progressé parce que je peux me permettre de rester à AFK pour farmer certains éléments hors ligne. Tandis que là, je suis comme non merci, je fais pas ça. En live, je veux que ça avance. Je reste pas vraiment à AFK longtemps. Je reste pas même pas en vrai, même pas à AFK pantoute. Surtout que moi, mes games en solo, c'est du hardcore, fait que... C'est beaucoup plus intense et je m'attends à ce que, après un certain temps, je vais changer de game, puis je vais virer sur ma game hardcore à tout le temps. Je vous ferai peut-être un petit résumé de temps à autre de ce que j'ai fait. Parce que c'est vraiment le fun, hardcore. Là. C'est pas donné à tout le monde jouer du hardcore, mais c'est vraiment le fun quand tu as l'habitude. Seule chose que j'ai pas encore réussi à faire en hardcore, c'est farmer les villageois encore. J'ai pas encore un premier villageois. Ben c'est normal, j'étais en plein milieu de nulle part là. Bon, j'ai plus de torches, on va s'en farmer. Voilà, c'est de la belle caverne. Bon, m'étonnerait ben gros que... là aujourd'hui ce que je vis c'est le full diams. S'il faut que je me fixe un objectif aujourd'hui c'est le full diams. Pas nécessairement full protection puis compagnie là, mais je... Déjà un full diams serait déjà bien. Surtout que là je fais de l'exploration plus que d'autres choses. Bon, ici, on éclaire les cavernes qu'il y a autour. Je vois plus le creeper. Il est là. Tiens, foutez-moi dans la paix deux minutes. Ok, faut que moi je vous garde un œil là. Oups. Pour vous, ce que je fais là, c'est peut-être pas utile, mais c'est que j'évite de. J'essaie de trouver en même temps un spawner. Je cherche un spawner à mob là, quelconque. Là. Pas d'araignée là. Zombie, squelette.
Parce qu'il va nous en falloir un assez rapidement si on veut se faire un peu d'XP pour s'enchanter tranquille. Parce que sur ma game hardcore, je n'ai pas trouvé un seul. Et j'ai pas beaucoup exploré non plus. Ben, j'ai bien exploré, mais. J'ai pas eu de chance, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon. Parce qu'en même temps, d'explorer, ça va me permettre d'avoir la sainte paix que si jamais je dois me promener tranquille. Je pense qu'on est bien ici. Ce sera pas long là, je vérifie. Je pense que j'ai un bug avec de quoi là, ce sera pas long là. Pour 2 secondes, si je peux me trouver un endroit tranquille. Là. Voyez ici, il y a une zone non éclairée. Mais il peut pas monter lui. J'ai de l'or en tour là. Tiens toi. Voilà. Il va falloir peut-être que je réajuste le volume parce que je le trouve excessivement bas. Et yeah, boy, boy. Hey, je me crois encore hardcore moi là. Je suis pas hardcore, je peux crever là si je veux. Là. Oh, on est tombé sur cette belle petite caverne. Il y a du zombard. Oh, carottes. On va se mettre ça ici. Hey, donne-moi ma pioche. Rends-moi ma pioche, toi. Bon, il va falloir que j'aille partir chercher des vaches. Ça, on peut tasser. Il va falloir que je fasse quelque chose tout de suite. J'ai pas de psy. Oups. Alors, je trouve de l'obsidienne. J'ai un peu éclairé ici hors live, je pense. J'ai éclairé cette zone-là ici. Je pense. Je suis pas sûr. Parce que j'ai rien récupéré, fait que je me dis j'ai probablement éclairé ça à l'arrache hors live. Après, on va chercher en priorité des vaches. Il va falloir qu'on commence à farmer du cuir. Canne à sucre, on en farm. C'est dans cette game-là, si je me souviens bien. Oh boy. Adios. Cretinos. Il m'a fout... Hey, tabouère. Tannez-moi pas, sacrifice. Ah, j'ai presque plus de bouffe. Bon, je remonte. On devrait être bien dans pas long, là. On va avoir une ferme à bouffe. Bientôt. Il faut que j'aille chercher des vaches et qu'il me faut beaucoup de cuir.
pour faire une table niveau 30. Bon, c'est correct, c'était l'XP que je voulais. C'est-tu lui? Je pense que c'est lui. On va aller chercher. Parce que farmer le diamant. J'étais en train. Une petite information comme ça. Je m'apprête à faire une vidéo comparaison de. Des différentes méthodes de minage. La plus efficace étant une version X. On fait un petit comparatif des deux. De 3 ou 4 versions de minage différentes. Le but étant de faire la vidéo selon mon ressenti. Mais je vais tout vous expliquer ça en live sur la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre idée selon ce que vous allez avoir vu. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. C'est selon mon ressenti, mes expériences que je me base. Peut-être que la méthode que je vais dire dénigrée comme de quoi étant peu efficace, pour vous, c'est peut-être la méthode la plus efficace que vous aviez jamais connue, là. Moi, je vais parler en termes d'efficacité à mon sens. Mais vous allez voir, là, j'ai quelques petites. J'ai quelques critères. Ah, vous allez voir là. Je vais pas trop en spoiler. Pas trop spoil. Voilà. Je veux la dernière page. Ou l'avant-dernière. Voilà. Voilà. Je pense que je vais aller avec ça. Bon, je tiens à vous dire que ça fait un peu plus d'une semaine qu'on n'a pas joué. Enfin, deux semaines, je pense que j'ai pas joué sur cette map-là, fait que je suis un peu paumé. Ça se peut que je sois paumé. Ah, c'est par là. Si je me souviens bien, c'est par là. Ouais, c'est par ici. Ça se peut que vous me voyez tourner en rond parce que je me souviens plus de quel chemin est le bon, puis. Hey. Voilà. Mais bon, ça fait partie de la game, là. C'est quand on arrête quelque chose pendant un petit peu de temps, normal qu'à bout d'un certain temps, on se perde. Et l'entrée est à l'opposé. Ah, il y a du fer ici, on va le ramasser. Voilà. On se fait un petit fun, on ramasse le fer. Toujours pratique le fer. C'est ici. Mon entrée est ici. On s'aménagera peut-être un chemin pour ici. Pour aller si j'ai trouvé un spawner. Je pense que j'ai peut-être trouvé un spawner puis j'ai pas les coordonnées en mémoire là. Je vérifie, il y a du fer ici. Ça, c'est pas là ici qu'il faut aller, là, mais. Je passe devant, puis je fais bon, ben, on va regarder si y a du fer dedans. Ça descend. Il y a du fer encore. On va revenir en arrière. On va reprendre le bon chemin. Là, c'est. Voilà, on y est. C'est là. C'est là.
C'est le tunnel que j'ai construit, que j'ai creusé, qui mène à la base. Puis là, on va être correct, on va être en business. Faut que je parte chercher des vaches. On va pouvoir s'organiser de quoi. Puis il va me falloir quelque chose supplémentaire. Il va me falloir une chose supplémentaire. Il va falloir que je parte en exploration pour qu'on puisse avoir. Parce qu'on a des villageois ici. Mais l'avantage, c'est ça, on a des villageois. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas encore commencé la traite de villageois. J'ai-tu de l'espace? Je pourrais avoir de l'espace dans mon inventaire pour ça. Voilà, donne-moi ça. Voilà. On va pouvoir commencer. Ah, ça remonte ici. Ah, c'est correct. Voilà. Là-bas. Non, ok, je pensais avoir trouvé un spawner, mais finalement, non, c'est ici, c'est le plancher ici. Ouh, ok, c'est mal éclairé ici. Il va me falloir une torche ici. Une lampe. Une lanterne. Sinon, je vais juste balancer une torche là. Bon. Carotte. Bois, c'est correct. Minerai, redstone, diamant, je garde sur moi. Bon, ok. On en a rien qu'un. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Oups, on va dormir un coup. Moi je dors dans le lit noir. Le noir. Voilà. Aïe 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 aïe. Ouais, je peux plus courir. Bon, je vérifie si j'ai pas mon random tick qui est modifié. Je comprendrais pas pourquoi il serait modifié, mais je vais regarder. Je vais regarder. Un peu de place. Voilà. Bon. Pas ça que je voulais, c'est toi ici que je veux. Voilà. J'ai de la place pour la canne à sucre. Oups. Ça veut dire que j'ai mis une canne à sucre de trop, deux cannes à sucre de trop. Voilà. J'ai calculé pour avoir un stack plein de cannes à sucre. Ouais, probablement mon random stick est trop élevé. Game, roule.
Random tick speed 3. Voilà. Oups, non, j'ai de la canne à sucre qui traîne ici. Parce que je pense par défaut c'est 3. Puis c'était. Ça bougeait pas pantoute. Pour ce qui est des golems, il va falloir qu'on trouve un moyen de se débarrasser des golems. J'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre, mais on va trouver une manière de se débarrasser de ces golems-là. Je vais peut-être modifier la zone agricole pour qu'on ait une vraie bonne zone agricole. Bon. Cana. Tac tac. Avec. J'ai du pain ici, je pensais que j'avais plus. Je pensais que j'avais plus de bouffe. Je l'avais de la bouffe. Bon. Agriculture. On se débarrasse de ça. Il va me falloir plus de bois, des sticks. Il va me falloir. Ah, tabouère! Gosse-moi, ouais. Voilà. Continue de grandir, je veux juste pogner le bon size pour que j'ai plus de barrière. Je veux pas garder de barrière. Il va falloir que j'aille deux blocs plus loin encore. Au moins jusqu'ici. Pour l'instant, je vais juste faire ça ici. Je vais me débarrasser de ces blocs-là. Là. Des bouts de chemin qu'il y a dedans, là, je m'en débarrasse. Allez. Bon débarras. On va regarder. Ça, je m'attends à ce qui puisse passer ici. Bon, on va. Je suis supposé avoir des barrières qui traînent dans la baraque. Et le jour avance donc bien vite. J'ai l'impression que j'ai rien fait. Je pense que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Pas en tout. Voilà. On va mettre ça ici. On va se mettre une carpette à la place. Ça permet d'accéder facilement et empêcher les meumeux de sortir. Ici, je vais la faire blanche. Je suis plus sûr de la quantité qu'il me faut.
Ah, c'est deux, c'est bon. Là, il va falloir qu'on parte. Je vais en mettre 3, ça va me donner la chance de choisir où est-ce que j'embarque. Côté-là, je toucherai pas, là, mais... Bon. On va essayer de trouver des memeux. Au moins, trouver... Ah non! Elle pleut. Voilà. Ok, donne-moi ça. Il me faut des memeux. Les petites memeux. Parce que ici, on a des moutons. C'est pas un problème. Les moutons, ils nous serviront à rien pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est des meumeux. Puis avec des meumeux, on va avoir cuir, viande. Il me semble qu'il n'a par ici des meumeux. Et du mouton. Désert ou sable ou je sais pas quoi, plage. Non, c'est un désert, ça doit être un désert. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas trop proche des meumeux. J'ai du stock sur moi, faudrait que j'aurais dû débarquer. Ouais. Ah, gros sacrifice. Ouais, c'est l'équivalent d'une plage avec une feuille en plein milieu. Bon, allez. Vois, je trouve pas de memeux, moi, là. J'ai besoin de memeux, là. Allez, les meumeux! Des meumeux, je vous prie! Je veux des meumeux! Ah, une meumeux! Je veux pas une meumeux tout seul, moi là! Si elle est tout seul, elle va se prendre un coup d'épée! Ah non, elle est pas toute seule! Deuxième main! Hey! Viens, toi! Bon. Ah, il y en a un peu plus. Il y en a 3 meumeux. Il y en a 3 meumeux. Va falloir attendre les meumeux. C'est très long. Mais avec les meumeux... Ah, va falloir que j'ouvre la barrière. J'ai oublié d'ouvrir la barrière. Avec les meumeux, on va peut-être. On va commencer à pouvoir. Je vais les nourrir, on va avoir des petits. Puis on va pouvoir. Avoir du cuir, peut-être pas aujourd'hui, mais on. Après avoir mis les meumeux en accouplement, on va essayer d'avoir. D'aller chercher au moins. De quoi se faire un full diams. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Puis on est à une heure et on t'a, il me reste encore une heure, un petit peu plus d'une heure et demie là. Donc on a clairement... Ah non 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 non. Je veux ma meumeu. Je veux tous mes meumeux, je veux mes 3 meumeux. Sur ma game solo, j'ai ramené une douzaine de meumeux d'une traite. Il y avait un bundle de meumeux là. Et tout ce que je fais, c'est je les nourris, je les abats, je nourris, abats, nourris, abats.
Fait que j'ai plein de cuir, j'ai ma table d'enchant niveau 30. Mais je suis pas niveau 30, je suis pas full enchant niveau 30. Et comme j'ai dit, j'ai pas encore de trouver de spawner. Pis c'est pas faux d'avoir cherché là. Par là. Faut que j'attende ma dernière meme là. Ah, c'est pénible. Ramener des meumeux là. C'est pénible. Les trois meumeux. Bon. Hey, ça c'est gossant. Saleté de meumeux. Pis là, si je pogne un mouton en chemin, je vais avoir l'air d'un imbécile. Alors je me débarrasse du mouton. Ok, c'est correct. Cochon, c'est plus... Oh non. Shit. Ça descend mieux ici. Hey la maudite meumeu! Viens ici toi. Hey, on dirait qu'elle a pas envie de finir en bœuf haché. M'étonne pas là en vrai mais... D'habitude ils sont pas supposés avoir... la peur de la viande hachée. Bon, on devrait être pas trop loin. Ah, tabouin, c'est. Voilà, venez les meubles, venez. Hey. Tasse-toi. Elle barre est là, elle. Ah, elle vient tant, toi. Hey, ce sont gossantes, ces meumeux-là. Au moins, une fois que tu seras à la base, on va avoir la paix, là. J'aurais plus besoin de me retaper le chemin, là. De ramener des meumeux, là. Avoir des meumeux. On en avoir en masse. Un peu. C'est pas F2 que je voulais, c'est F5. Non, c'est l'autre. C'est ce que je veux faire. Non, on va rester à la baraque. Elle est. Je pense qu'il est par là-bas. J'ai pas pris les coordonnées là, mais dans mon souvenir c'est par là. Hey les meumeux, vous en venez là.
Aïe. Je perds du temps avec ces meumeux-là, là. C'est moins de temps que je vais pouvoir avoir pour miner mon full stuff diams. Oh, excusez. Je pense que c'est par là, ouais. Je pense que je vois mes champs. En plus, la nuit tombe. Va donc te faire mettre, je vais crever. Hey, la meumeu, tu viens? Désolé là, mais... 7... On peut-tu avancer là? Si j'arrive puis il y a des monstres là, des mobs là. Mouton qui s'est joint au party. Ah, c'est là, je pense. Je vais vérifier là. Parce que là, je vais me faire buter sinon. Faut que je rejoigne la base assez vite. Parce que la nuit est tombée. Je me dirige pas dans la bonne direction. Ah non, je pense que je suis pas parti dans la bonne direction. On va se diriger vers la base au plus vite. Puis on va laisser les vaches que j'avais commencé à ramener là, là. Je vais aller essayer de m'en trouver des plus proches. Il y a un lac de lave là. C'est ça? Ouais. Hey, elle est où la baraque? Où la crise de la maudite baraque? Ah là, là. Hey, je suis parti trop loin, moi là. Je suis parti beaucoup trop loin. Aïe 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 aïe. Ah non. Na 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 na. Bah, oh, moi j'ai beau. Voilà. On va aller par là. Essayer de pogner des vaches plus proches. Je vais commencer par ouvrir un peu l'enclos. L'enclos à meumeux.
D'après moi, par là, je vais en trouver. Une plaine, fait que d'après moi, dans les plaines, d'habitude, il y en a pas mal, des meumeux. Fait que on va retomber dessus sur ce bundle-là de meumeux, hein, ces trois meumeux-là plus tard, pis le mouton, on va faire « Ah bon ». C'est celles que j'avais presque amené, mais... bon... Meumeux, des meumeux, je veux des meumeux. Y'a des cochons, y'a du cochon. Je veux pas les cochons. Je veux des meumeux. Oups, charbon. Elle veut des meumeux. Y'a du canasson, mais je pense pas que les canassons donnent du cuir. Une meumeu, es-tu toute seule ou y'en a une autre? Essaye d'être tout seul, je suis dégoûté là. Il me faut au moins deux vaches. Pas avec une que je vais aller chier loin. Bon, allez. Les meumeux, j'ai repris les meumeux. D'habitude, il n'y en a jamais une tout seul. Ah là, d'être tout seul. D'habitude, il n'y a jamais. D'habitude, c'est jamais tout seul. Les meumeux ne sont jamais tout seuls. On ne voit pas pourquoi. Pour là, c'est être tout seul. Bambou... M'intéresse pas. Je cherche les meumeux. Toi, t'aide-moi pas. Je veux... On va prendre le melon en même temps. Sweet seed, j'en veux pas. Allez. Hey, je trouve vraiment pas de... Ah ouais, dans. Je trouve vraiment pas de meumeux. Ça me rend fou. C'est à me rendre fou! Je pense qu'on va peut-être aller chercher les meumeux que j'ai laissés à l'autre bout. Laissez-moi tranquille. Elle veut des meumeux. Allez. Ouais, c'est ridicule. Il y a zéro meumeu. Ah, voilà. Des meumeux. Venez, venez mes quatre meumeux. Venez, venez. Ah, venez. Ah, venez mes amis. Par ici.
Tu viens, toi? Genre, j'essaie de ramener les quatre. Oh, c'est beau le bundle que là. J'aimerais bien récupérer tout, mais. Soyons pas trop gourmands. Ne soyons pas trop gourmands. Quatre meumeux, c'est déjà bien. On va essayer d'éviter les moutons. Il faut que je traverse la jungle. On va passer par terrestre, même si je risque de perdre des meumeux dans la jungle. C'est quand même plus rapide que de les traîner dans l'eau. Parce que là, il me reste une heure. Tu viens, vous venez, vous deux. Voilà. Les quatre sont là. Je m'assure vraiment que j'ai mes 4 meumeux. Ok, c'est bon, il y a eu un coup de lag. Après ça, on va pouvoir commencer à miner. La seule chose qui va me manquer après, c'est d'aller me trouver un type de bois particulier. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin d'un type de bois particulier. C'est j'ai besoin de spruce, de sapin. J'ai besoin de sapin. Laisse, reste, là-bas, toi. Hey, cochonnerie. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Traverser ici, après ça on verra. Ah non, la nuit tombe. J'aurais dû m'emmener un lit. Allez, voilà. Hey, me, viens ici avant que je te donne un coup de pain dans les fesses. Je te donne un pain aux fesses. Qu'une. Hey! Va te donner un coup de pain, toi! Marguerite! Allez!
Suis la meute. Suis le troupeau. On est du bon bord. Juste de l'autre côté de la colline, on devrait voir le village. La nuit tombe. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... on y est presque. Le village est là-bas. Marguerite! Va me montrer agressif, Marguerite. Va te donner une claque. Va te donner une claque, Marguerite! Marguerite! Hey! Je suis en train de perdre mes meumeux. Hey, Marguerite! Lave-la la maison. On va commencer à mordre. Allez! Marguerite! Marguerite et Béatrice, venez-vous-en. Oui, je suis pas original pour les noms de mes vaches, ok? J'ai le droit. Okay? J'ai le droit. Marguerite! Tu te magasines un pain. Marguerite, viens. Oh le tabouère! Oh le tabouère! Pas Georgette! Pas Georgette! Et Gwendo! J'en ai perdu deux! Je vous dis, si je paie mes deux dernières vaches, vu le chemin que j'ai parcouru, c'est un rage kit. Hey, Marguerite! Tu la veux? Tu viens? Je vais avoir un problème. Ok, non, c'est correct. J'ai perdu l'agro de mes vaches. Non. Marguerite, Georgette. Georgette. Venez.
presque à votre nouvelle maison. On est presque. Vous allez pouvoir vous accoupler en grande quantité et me fournir du cuir à vitam aeternam, ainsi que de la bouffe. Hey, il m'a fait la chienne de ma vie. Un petit carpet. Oh, le tabouin. Allô. Hey, j'ai eu la chienne de ma vie. Bon. Oh, dodo. Hey, phew. J'ai eu la chienne de ma vie. J'ai vu le creeper à la dernière seconde, j'ai... Je l'ai vu exploser pis c'est tout. Je vous prie, je veux de la dirt. J'ai un innocent qui a fait sauter une partie de mon terrain. Ah, en voilà un autre innocent. Il va falloir que je commence à éclairer comme du monde autour. Ok, phew. Ah, il m'a fait faire une crise de cœur, ce tabouère-là. Bon. Je vais faire F3 en temps 0-0, ok. On est grosso modo en 0-0. Là, je pars chercher du des sapins. Il me faut au moins 4 ou 5 saplings. Dis-moi pas que... Ok, c'est bon, c'est des chevaux. J'ai vu le bundle là-bas, j'ai fait non. Il y a des meumeux. Oh, l'assaut! J'en ai plein le cash. Je suis pas parti dans la bonne direction si je voulais des meumeux. Vous me faites chier. On avait assez fait chier là. Voilà. Récupère pas mal de charbon, ça va me faire quelques niveaux en plus. Voilà. Hop, c'est encore un peu de charbon ici. Compte tenu que c'est assez rare le charbon maintenant, ben, rare. C'est un grand mot là, c'est. Quand on mine en optique, on trouve plus de charbon. Avant, on en trouvait plein, maintenant, on en trouve plus du tout. Plus ou pas, ou presque pas. Dépendamment des couches où on mine.
Mais la couche pour le diams, on trouve pas de charbon. Oh, je ne vois de quoi qui m'intéresse. On va peut-être commencer à farmer une source de infinie de aïe. Je trouverai pas le mot parce que je le cherche. Une source infinie de cuisson. Pour avoir de la cuisson infinie. Ça plaît, je n'ai pas de besoin. Les deux, j'ai besoin de deux. Charbon. Néo ici. Yes. On va avoir pas mal de charbon. Mais c'est pas assez. Avec les cavernes qu'on a éclairées là, il nous en falloir plus. Voilà. Alors on va faire un échange. Je vais descendre mon pain. J'ai besoin de bouffe. Pas loin. Il y a une Lush Cave en dessous, je pense. Non. Ça ressemble à un arbre de Lush Cave. Je pense, là, de loin, là. Non, c'est un arbre normal. Il n'y a pas de Lush Cave. Ça, c'est de quoi il va falloir qu'on trouve bientôt. Une Lush Cave. Aussi. Mais là, pour l'instant, là, je veux des sapins. Une fois que j'aurai mes sapins, on pourra repartir. On pourra commencer à les miner. Citrouille, je pense que ma blonde en farm. Pas sûr, mais je la récupérerai pas en cas de doute. Parce qu'il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle est farmée. Il y a de la belle caverne par ici. Ça, c'est. C'est un fait. Et je trouve pas de sapin. Wow, un beau petit roadback. Un beau petit roadback. Un nouveau village. Il y a une forge d'après moi. On va y aller. S'il y a une forge, on peut avoir quelques petites affaires intéressantes. On va juste piller le village, puis on va... ramasser le reste. On va me traîner un lit avec moi. Tant soit tout. C'est quoi qu'il y a ici? Oh! Tiens. Petit stone cutter. C'est bien. Je vois pas de je cherche le mot puis je le trouverai pas parce que je le cherche. De forge. Je trouve pas de forge. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! On se débarrasse de ça. Smithing table. Voilà. Il y avait rien de particulier dans le village. Oh! Portail de laine du Nether. Peut-être moyen de farmer des belles petites ressources. Il y a un bloc d'or automatique. Un peu d'obsidienne. Bof. Ben en vrai, oui. Ouais.
Hein, le portail est intact ou presque. Moi, je vous dis, je ramasse le portail. Oh non, il va me falloir ma pioche en diamant. On se ramasse le portail. Il est complet. On a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il faut pour faire refaire un portail. Plus un bonus pour faire la table d'enchante. On l'a ramassé. Il y a le crayon obsidienne que je suis pas sûr que je vais ramasser, mais je vais la ramasser pareil. Ça sert à faire juste le set pour le respawn dans le Nether. On va faire en désir, je m'en fous. Allez. Ouais. Who is cutting onion? Ah, ok. Elle est bien pensée. Crying obsidienne qui coupe des oignons. Non. Après ça, on va. C'est parce qu'il me faut au moins que je puisse planter un arbre de sapin. Au moins, même si je n'ai juste un, pour faire la job. Une sapling. Tiens. Ben, j'aurais dû penser vider un peu mon inventaire avant d'y aller, là. Mais c'est pas grave. Je vais faire attention. Ça se peut qu'il y ait de la lave à quelque part. Mais bon, il n'y a pas de lave là. On a clairement tout ce qu'il faut pour allumer le portail. Avec ça, là, on a tout ce qu'il faut. On se le fait pas aujourd'hui. On va le faire au prochain épisode. Au prochain live, demain. On se fait ça demain. Là, ce qui m'intéresse de faire, c'est le full diams aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Un full diams. Après ça, on va regarder combien j'ai de psy. Normalement, je devrais en avoir 14. Si j'ai vu. J'aurais peut-être en avoir un peu plus même. J'aurais peut-être en avoir 16. 18. Oh bon Dieu. Bon Dieu. Bon, on change la pioche. Bon Dieu, c'est correct, on a ce qu'il nous faut. Pour ce qui est. Hey, sapin, là, c'est l'enfer. Je trouve pas un seul spruce. J'ai pas trouvé un seul spruce depuis le début de la game. Pas un seul. Eh bo boy. Ici, c'est dangereux ici. Ma parole. Je sais pas combien j'ai fait de blocs là. J'ai fait au moins 1000 blocs.
Parcourir au minimum 1000 blocs pour trouver un... Puis j'ai toujours pas trouvé un seul sapin. Pas de sapin, je ne vois pas de sapin. Ah, da di 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 di. Ah, voilà, sapin. There we go. Je veux pas le bois, je veux juste les sapins. Je veux juste les saplings. Je veux pas le bois. Le bois, je le vois pas tout de suite. Ah, voilà une. Six, ça va faire la job. On a 1600 blocs à faire en diagonale pour retrouver notre doux foyer. Bon, je vais commencer à expliquer ce que j'ai, pourquoi j'ai besoin de sapin. Le sapin pousse en 4x4, en 2x2. Il peut pousser en 2x2. Ce qui n'est pas le cas avec le oak. Le jungle aussi, mais le jungle est gossant avec son 4x4. Son 2x2 en vrai là. Il est gossant sur le fait que il y a des branches qui poussent avec. Et moi j'ai pas ça que je veux, moi là. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment du pur 4x4 tout le long de la hauteur. Ça va nous permettre de farmer des sticks. Farmer les émeraudes. Avec les sticks, on pourrait les transformer en émeraudes. Après ça, on va virer. Je vais faire hors live. Passer le lectern à un villageois jusqu'à ce qu'il me donne le bouquin mending. Ou jusqu'à ce que j'ai un bouquin intéressant. Style protection 4. Ces affaires là. Ce genre de bouquin. Des bouquins qui sont vraiment pétés. Ah voilà, non c'est le village, c'est l'autre village. Mais un petit mending, ça va être amplement, ça serait exactement ce que je veux. J'aimerais un bon petit bouquin mending. Je vous dirais que ça se fait comme premier échange. Après ça, puis vu qu'on est en hard, je vais me garder un zombie que je vais renommer. Je laisserai le choix au chat de décider du nom. Mais on va se faire ça. Sinon, si personne ne donne d'idée hein, dans le chat, je vais faire ça moi-même. Je vais y aller avec un nom d'une originalité hors norme. Et. On va y aller franco. On va commencer à faire ça. On va pouvoir commencer à se faire du bon tri de villageois après ça. On se fera du farming de tous les bouquins
Ok, c'est bon. On se descend bien ici. Aïe, aïe, aïe. Bon. Voilà, c'est bon ça. On a pour un petit moment. On est presque... On est à 300 blocs, un peu plus de 300 blocs. Après ça, ben, on verra, là, mais j'ai encore pas mal de choses que faut qu'on fasse pour être tranquille. Je sais qu'il y a un villageois qui achète le fer contre des émeraudes. Ceux qui en auraient fait la ferme à fer, je vais en parquer un dans la ferme à fer. Comme ça, on pourra se farmer des émeraudes. Comme ça, même chose quand on aura un spawner, dépendamment du spawner qu'on a. Oups, c'est... par là, direct, comme ça, faut que j'aille. Voilà. Lave-la. Mais normalement, là, si tout va bien, on devrait avoir un bon petit village. On devrait être bon pour faire... farmer une petite demi-heure des diams. Ça devrait être pas si pire. C'est une bonne affaire, commencer une petite demi-heure de farming de diams, ce sera pas pire. On verra si on trouve de quoi se faire un full diams. M'étonnerait ben gros qu'on trouve de quoi se faire un full diams dans une demi-heure. Bon. L'ici, je vais le mettre comme ça. Ici, je dépose ça, ça, je garde mon pain, s'il vous plaît. Il va me falloir ça, il va me falloir ça. Bouquin. Table d'enchant. Hein? J'ai pas eu l'achievement. Ah non, il faut que je fasse un enchantement. Ok. Ça, ça va ici. Un petit dodo. Ok, on va faire quelque chose. On va mettre ça. On va se mettre ici. Voilà. Maintenant, on se prend ça ici. Voilà. Bois ici. Ça, je peux garder. Ça, c'est tout ce qui est cobble. Ça, c'est toutes les variantes de rush. Ça ici. Ça, je dépose ça là. Ça, je dépose ça là aussi. Bloc d'or. On décraft. Drop de mode.
Voilà. Voilà. Mob aussi. Bloc. On va mettre ça. Ça, c'est un bordel ici. Et voilà. Ok, ça, il faut que je dompe ça dans bouffe. On va aller renouer un petit coup les vaches. Mes petites meumeux. Voilà. Je pense que je vais mettre sur le côté un petit chest là, mais pour l'instant ça va rester le même. Ok, j'ai une pioche en over. Je vais me faire un autre saut. On va se faire une table de craft supplémentaire. Puis on va partir avec un four. Ok, on part en minage. Opti, on part en minage opti. Oh, j'ai pas fait de torche. Voilà. Vous allez voir là, on va s'installer vraiment le plus bas possible. Une raison pour laquelle j'ai le saut de super, c'est que je vais pouvoir mettre un chaudron en dessous de stalactite. Le but n'étant pas d'explorer de la caverne. Le but n'est pas d'explorer de la cave. En tout cas, pas pour tout de suite. Le but étant d'aller aux couches du diams. Bon. Un autre bémol, c'est que avec la deep slate, c'est beaucoup plus long miné. C'est beaucoup plus long. Fait que on va se rendre à la couche pour le minage de diams, puis on va miner jusqu'à la fin là, fin du live. On verra si j'ai ce qu'il me faut pour faire un full stuff diams. En vrai, ça m'étonnerait bien gros avec le peu de temps qu'il me reste là. Il me reste une petite vingtaine de minutes, un peu plus d'une vingtaine de minutes. Ça m'étonnerait bien gros que je puisse avoir un full diams en 20 minutes. Surtout qu'on a même pas encore atteint les couches de deep slate. Je suis en train en même temps d'aménager le tunnel pour avoir la sainte maudite paix.
par après là. Parce que je m'attends à faire beaucoup d'aller-retour. Voilà, dans Deep Slate là. Mais on n'est pas arrivé. Faut descendre jusqu'à la couche la plus basse possible. Quand je dis le plus bas possible, vous allez voir, c'est vraiment la plus basse possible. Oh, je pense que j'ai atteint la caverne que, où je vais m'installer. Ah, bonjour monsieur. Bonjour petit con. Petit con va. C'est la caverne d'où je vais m'installer. Faudrait que je prenne les coordonnées, mais je pense que c'est là. On va s'éclairer un peu. Même si j'ai dit que je vais pas faire de caverne là. Si c'est vraiment la caverne où est-ce qu'on s'installe, moi puis ma blonde, faut au moins qu'elle soit un minimum éclairée. Voilà. Mes fesses. Da 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 da. Bon, là faut que je réussisse à sortir de, faut que je réussisse à. S'il vous plaît. Encore. Il faut que j'avance encore un peu. Ah bon. Ah, voilà. Oh. C'est beau ça. Si j'ai réussi à faire le full diamant avant d'atteindre les couches, je suis mort de rire. On est à 6. C'est loin, on est loin de voir ce qu'il nous faut. Ah ouais. Bon, ça c'est fait. On est encore pour un bout. T'as quelle couche? Moins 14. Il nous reste encore 50 blocs à descendre.
Ça va quand même un peu plus vite à la pioche en diane, mais ça reste relativement lent à miner pareil la Deep Slate. Bon, allez. F3, on est à moins 25. Bon, en vrai, j'ai même pas besoin de regarder, je vais savoir à quel moment j'ai atteint la couche à diams. Encore des diams, c'est beau, ça, c'est beau. Ah, dis-moi pas qu'il est tout seul. Ah non, ah non, 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 non. Ah, merci. C'est bon. J'étais comme, s'il est tout seul. Ah non, merci. Ah, c'est bon. Je laisse un peu de minerai en descendant, comme le fer et compagnie, c'est pas ce qui m'intéresse. On est clairement, ouais, je suis clairement où est-ce que je veux bâtir ma base. Je veux clairement bâtir ma base par ici, vous allez voir, quand je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma base là, je vais faire, oh bordel. Il est là. En vrai, j'ai juste vu à quoi je suis en train de designer ma base, fait que j'ai aucune idée de l'emplacement des minerais. J'ai recopié la map, j'ai fait une copie du site, puis j'ai aucune idée de ce qu'est l'emplacement des minerais. Et surtout, je m'en fous de l'emplacement des minerais, moi, là. Ouais, ça, c'est ce que je voulais. Ok, bon. Même si c'est là que je vais m'installer, plus ou moins, vous allez voir, je me gênerai pas là. Pour déglinguer un peu le terrain là. J'ai quelques modifications à faire. Ah non, 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 ben là, c'est pas juste là. Peux-tu atteindre les couches à diam, s'il vous plaît? Même pas. Faut que je continue par là. Ouais, c'est ça, faut que je continue par ici. Bon, je regarde, j'ai reçu un texto de qui? Pas important, pas important. Hey! Je n'ai rien à foutre. Je m'en fous.
Je m'en fous. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est bon. Y a rien d'intéressant. Voilà. Je veux l'XP. Vas-tu finir par y arriver? Je pense que c'est fini là, je pense que je vais être bon pour me rendre jusqu'à la couche à Diams là. Après à tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, je vais être correct là. Parce que je vais attendre d'être full Diams, full enchant pour faire la base. Parce que actuellement, si je fais ça, je risque plus de crever que d'autres choses. Voilà, on est à la couche à Diams. On va se ramener ça ici. On va se faire un petit peu de place. On va se mettre. Fourneau ici, on va se mettre table de craft ici et voilà. Bon, on a aminé un petit bout. Il me reste 12, un petit peu plus de 12 minutes si je veux faire 2 heures plein. Tiens, ça commence bien. On va mettre ça ici. Il m'en faut 32. 32 points full diams. Rino! Comment vas-tu, mon petit Rino? Oh, moi, je vais bien. J'étais tellement hypé par la 18. J'ai une game solo. J'ai un serveur. Ma game solo se passe mieux que mon serveur. Vu que j'étais en hardcore sur mon solo, mais. Je pense que je suis mort. T'as peu option, je vais regarder mes statistiques. Je suis mort combien de fois? Je me souviens plus, je suis mort au moins 3 fois dans le premier game, première game.
Je pense que je suis mort trois fois. Ouais, je pense que c'est ça. Je le vois pas là, mais je pense que je suis mort trois fois. Puis vu que j'ai un ultra hardcore sur l'autre game, ça va beaucoup mieux. Puis l'autre game, j'ai tout ce qu'il faut sur mon ma game perso. Je suis presque full diams. J'ai tout le diams, j'ai tout l'équipement. En vrai, je suis full diams sur l'autre game. Bémol, je suis pas full enchant. J'ai pas encore de spawner. Avoir un petit spawner, je me ferais une table. Je pourrais faire mes niveaux 30, mais là je peux pas. J'ai une pioche pétée par exemple. Il manque juste le mending sur ma pioche pétée sur ma game solo. Oups, on est sous des lacs de lave. Eh bon, là ce qu'on cherche c'est se faire un full diams. C'est l'objectif de la soirée, c'est le full diams. Et pas à une couche trop basse. Dans cette nouvelle génération là, il faut être le plus bas possible. Il faut être à la couche de la bedrock pour que ça fonctionne le mieux. C'est la couche la plus optimale pour trouver des diams. C'est peut-être pas la couche la plus optimale pour trouver divers minerais, mais c'est la plus optimale pour trouver du diamant. Avec leur graphique tout pété, là, ce que je comprends à moitié pas, là. Parce que me semble c'est ça, c'est plus t'es bas dans le monde, puis plus t'as de chances d'avoir de diams. C'est ce que je me souviens là. Un peu, juste pour être sûr là, je vais aller regarder le changelog. Changelog. Minecraft 1.18 Kevin Cliff Update. Je cherche les graphiques. On va faire mine. Or change. Image. C'était quoi? Je cherche leur image là. Je vais passer par le site de Minecraft, ça va aller plus vite. Minecraft. On va aller regarder. À savoir plus. Ici, elle te lave là. Celle-là, ici, de Java. Non, c'est pas elle. Ça peut. C'est du bug fix. C'est charger plus. Charger plus. What do you see?
Je cherche la génération. Un peu. Marqué. Or. Graphic. Graphic. Graph. 1.18. Ok, j'allais. J'allais ici. I7, là, voilà, I7. Oh, open, voir l'image. Autorisé. Voilà. C'est ça, I7. T'as peu, je vais afficher mon écran, là. Rhino. Ici, le diamant. Et plus tu te retrouves bas, et plus il y en a. Tu regardes, là, le bas de l'écran, là. Plus t'es bas dans le monde, plus t'as de diamants. C'est marqué Reduce Air à l'exposition, ça veut dire qu'il n'est pas visible théoriquement dans les cavernes. Mais il est supposé spawner plus t'es profond, puis plus il y en a. Ça, c'est marqué Not Final, mais c'est le premier que j'ai trouvé, là, mais c'est ça. C'est plus t'es bas dans le monde, puis plus t'as de chance d'en avoir. Fait que théoriquement, je suis à la bonne couche. Si je veux avoir plein de diams, c'est cette couche-là qu'il faut. Puis je fais pas vraiment du minage opti-opti pour l'instant. Là. Je fais juste du minage en ligne droite, là, mais... Mais bon, c'est quand même le fun... Moi, c'est ça que j'aime dans Minecraft. Ma blonde me trouve fou, là, mais j'aime ça miner. J'aime ça partir en caverne, explorer, faire du minage. Tu pars, tu reviens, l'inventaire est plein. À la couche moins 58. Je suis à la couche moins 59. Mais de moins 58 au moins 59, il n'y a pas une si grosse différence. Je te dirais qu'à moins 59, je serais dans les lacs de lave. Alors que là, à la couche que je suis, je pogne pas les lacs de lave. Je suis en dessous des lacs de lave. Mais je te dirais que c'est un peu comme n'importe quoi, là. C'est tout le monde mine à la couche qu'il veut, là, mais il y a tout le temps une couche plus ou moins optimale. Là. Mais la plus optimale, t'inquiète, fais-moi confiance. Fais confiance à Rhino. Fais confiance à Rhino. En faire confiance au maître. Monsieur qui a la chance d'un cocu, là, je suis sûr, t'as lancé une petite partie pis t'es déjà full diams en 15 minutes. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, monsieur le plus cocu sur les diamants. Je sais à qui je parle. Mais je sais que je suis pas un lac de lave. Je suis direct dans un. J'ai vu les particules, là. Je sais qu'il y a un lac de lave au-dessus de moi. En passant, t'es arrivé un petit peu après, Rhino, mais j'ai plus ou moins montré où est-ce que j'allais bâtir ma base. Je vous la montre pas parce qu'elle est encore en travaux, mais elle est aux petits oignons. Je la design tout seul là, puis je la trouve, je suis vraiment fier là. Elle est aux petits oignons là. Voilà, regarde. Je peux pas monter un bloc plus haut. Ici là, voilà. Lui, je peux pas l'enlever. Ici, il y a encore des particules. Ici, on est bon. Elle est aux petits oignons. Mais c'est tellement, tellement plaisant de pogner du tof quand tu mines. Ça va... numéro 1, ça va bien. Ça va très très bien. J'aime ça pour pogner le tof. Comparativement à la deep slate qui est long à miner, tu pognes le tof, ça se mine presque instant. C'est vraiment plaisant.
Malgré que si je regarde le Rhino à 58, j'ai rien spogné de plus. Mais bon, on va faire confiance au maître. Faisons confiance au maître du minage. La confiance en la personne la plus cocu pour ce qui est de miner. Bon, on est parti. Je veux mon full diams. Je veux mon full diams. Rhino, quand tu fais le commentaire là, fais un petit commentaire là, Rhino me donne sa chance pour le temps d'un live. Vindiams, il m'en faut, j'ai la pioche. Il me manque encore 9 diams. Ah, c'est que tout le temps, c'est comme ça d'habitude. Ouais, je sais, j'aimerais ça te demander, là, dire « Ah, je veux des diams! » C'est du hasard. Mais oui, t'as une chance. En vrai, statistiquement parlant, Rhino, t'as beaucoup plus de chances que la plupart du monde. Pour ce qui est de trouver des diams, là... T'es le genre de personne que t'es le genre à te faire un beacon en diams au bout de quelques heures. Peut-être même rendu là en netherite. Je sais pas si t'as de la chance pour un netherite, mais au moins, je sais que les diams, c'est pas un problème. En vrai, je pense qu'il va me falloir quand même 12 diamants de plus. Parce que la pioche est presque morte. Elle est à moitié durabilité, puis je m'attends à ce qu'elle crève assez vite. Voilà. Mais pour ce qui est de trouver des spawners, ben là, ça va falloir que je trouve un spawner soit en live, soit hors live, là, ça va dépendre, là. Ça va dépendre de bien des choses, là. Bon, allez. Je suis allé chercher du quartz dans le nether et je suis revenu avec 6 anciens des briques. Et ouais, t'as quand même une chance. T'as quand même de la chance. Moi, je te dirais que si j'ai pas de l'efficiency sur ma pioche puis du mending, j'ai oublié le projet. J'aurais jamais. J'ai pas une si. Je suis pas. En vrai, je suis pas si pire. Niveau anciens débris. D'habitude, je m'en vais miner du quartz, moi, pareil, puis je reviens tout le temps avec un ou deux anciens débris, là. Mais, comparativement à ma blonde qui mine pas, là, à part jamais dans le nether, c'est route barrée, vire de bord pour elle. Mais, en vrai, je reviens tout le temps avec un peu d'anciens débris, toutes les fois que je vais miner du quartz. Parce que je me mets à la couche d'anciens débris, je pense à la couche 16, puis je mine. Je mine. Tu peux miner quasiment infini avec mending. Parce que tu peux tomber sur des filons de quartz puis des filons de d'or puis ça va bien. Ah, je ne récupère plus la deep slate. C'est-tu grave? Non, l'inventaire est plein, je devrais être bon avec ce que j'ai là. En vrai, je vais aller me faire un petit chest, déposer un peu de deep slate. Parce que... je spoil pas,
Mais ma maison va avoir un peu de deep slate dessus. Alors de la deep slate. J'ai pas encore décidé. Sur le pattern que j'ai, c'est des tuiles, mais ça se peut que ça change. On verra. On va se faire un double chess. Tourne à droite pendant 69 blocs, puis à gauche pendant 42 blocs. Par là, là? Ouais, on va y aller, on va y aller. On va y aller, on va faire ça ici. Tourne à droite pendant 69 blocs, et puis à gauche pendant 42 blocs. Bon, en tout cas, pour ce qui est du redstone... Ah ben, on va prendre les coordonnées ici. 58... Elle est pas... Je suis pas dedans, soit. C'est bon, j'ai ça. On va regarder. Bon, de l'or. J'ai mis c'est ça, ok. Bon, 69 blocs et 42. Juste pour être sûr que je me trompe pas dans mon calcul, c'est 205.
Redstone. Pas de diamant. Retourne sur mon couloir principal. Ouais, je l'ai trouvé de la redstone. J'ai trouvé de la redstone, ça c'est pas un problème. Il a pas fini sa phrase. Ah, non. C'est pas de la redstone que je recherche. La redstone, c'est ultra commun. Fait que m'attends pas que j'en trouve un peu partout. Alors, on va pouvoir enlever ça ici. Ok, bon. Un peu, je ne pense pas être quoi. Ouais, j'y viens d'avoir une... je viens d'avoir l'illumination. Ah, c'est ça. C'est de la redstone spéciale. Ouais, trouvée par tes soins, c'est pour ça qu'elle est spéciale. Encore la redstone. Prochain. Voilà. Et voilà, je peux faire un slice. Et bon boy, la pioche t'avais le pété. Bon, allez. Un petit secteur de minage opti. Le reste, je vais la laisser là. J'ai pas besoin de niveau. Bon. On commence à se faire désirer ces petits diamants. Ils sont de plus en plus désirés. Ah, s'il suffisait de demander. On va juste faire ça. Avec la petite redstone en plus, c'est gratuit, c'est cadeau. Ah non, 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 non. Ah non, non. Ah non, 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 non. Deuxième. Ah la. Ah la. Ah la. La. Ça n'a pas bête. Ah, ça révisse. Que deux diamants. Ah. Oh. Ah, je suis dégoûté. Deux diamants.
Ah, voilà! Ah, là, tu parles! Ah, beau petit gisement d'huile, c'est beau, ça! Tu vois que ça, il suffit de demander. Voilà. Je te jure sur la vie de ma mère qu'au moment où j'ai envoyé le message, j'en ai trouvé, mais à cause du décalage, il n'y a eu pas eu l'effet. Ouais, j'ai eu l'effet en delay. J'ai eu un effet au moment où t'as envoyé le message, puis j'ai eu un deuxième effet après. Fait qu'on est pas très loin d'avoir le full stuff d'Yams. Bah la pioche est presque morte. J'ai le texture pack d'Aurélien. Fait que la pioche change de forme quand elle commence à être presque pétée. J'ai le Sama Faithful pis Je peux plus m'en passer. Quand j'ai le Sama Faithful là. Quand je commence à jouer avec le Sama Faithful, je peux plus m'arrêter. Oublie ça, je vois. J'aime pas trop les nouvelles textures. Il y a des textures que j'aime pas, puis je trouve que c'est. Je trouve que ça rend mieux le Sama Faithful. Bon, allez. Pas maintenant. Elle va me péter dans les mains la pioche. D'un bloc à l'autre, elle va me péter. Voilà, elle vient de me lâcher les mains. Bon, on va aller déposer un peu le stock. On va parler par là, on va aller par là. On va se faire une autre pioche en games. Ouais, c'est ça. Ça a un cooldown, ouais. Ça a un cooldown. Alors, on va aller faire une bonne petite pioche. Après ça, on verra qu'est-ce que si je continue un peu. D'après moi, oui, je vais continuer, là. Anyway, j'ai une grosse zone ici que je peux faire du minage opti. Ça, je n'ai plus, ça, j'ai pas besoin, ça. Une petite pioche en Riams. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Selon les coups de chance que t'as, le cooldown est plus ou moins long. Ouais, j'avoue. C'est pas trop long. Bon, ça dépend. Ça dépend. J'ai comme eu deux filons de suite. Fait que d'après moi, j'ai un beau petit cooldown. Ah, ouais, c'est ici que je veux. Juste à 6 blocs de la fin. Moi, je fais
Je m'assure de ne laisser aucun diamant derrière. Un mine et un bloc à droite. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal petit comme ça. Une ligne droite, des lignes comme ça. Je pourrais décaler de 2, puis miner à troisième rangée. Mais là, c'est on parle de tomber dans ma vidéo où je parlais du minage opti. Le minage opti, c'est pas ma méthode, celle-là. C'est là, je veux vraiment ramasser le plus. Car là, tu repasses encore une ligne. Tu veux dire de tout nettoyer, là. Tu parles de tout enlever. De tout enlever la zone. C'est de ça que tu parles? Parce que si tu sais, faut que je vide tout le chunk, c'est... Oui, c'est optimal, mais niveau rendement, c'est optimal pour récupérer de la deep slate. Je pense qu'en vrai, le plus optimal, là, c'est de miner. Non, c'est ça, parce que tu rases un chunk, c'est long, là. La méthode la plus optimale que j'ai vue, là, c'est celle-là ici. Tu skips 3 blocs, puis tu repars à miner. C'est la méthode la plus optimale que j'ai vue. Parce que comme ça. Tu vois si les gisements font 2 de large. Mais si le gisement de diamant est dans ce sens-là, tu ne vois rien. Skip 3, ouais, c'est ça. Un skip à 3, théoriquement. Non, c'est ça. Si le diamant est dans ce sens-là, tu rates. Tu rates. Mais même si je fais la méthode que je fais ici, le diamant est dans ce sens-là, je le rate pareil. Je le rate pareil. Mais si je fais ça ici, comme ça, je suis sûr et certain de rien laisser. Parce que là, la seule manière que je le skip, le diamant, c'est qu'il soit vertical et sur un bloc. Mais ça, ça dépend des personnes, là, en vrai. Là. Je vais faire tout ça, je fais une vidéo... Faut que je prépare la map, là. Faut que je prépare une map, puis que je prépare des copies de la map. Mais je vais montrer différentes méthodes de mining pour montrer la plus optimale en termes de rendement. Je vais expliquer dans la vidéo ce que je parle par rendement, là. Mais là, je fais juste miner sur 69. De distance, si je peux ramasser des diams encore, je vais les ramasser. C'est juste parce que miner en ligne droite, c'est bien, c'est ce que le monde fait tout le temps, mais tu rates énormément de minerais. Il y a aussi ceux qui font la méthode à mon frère. Mon frère fait une méthode particulière que j'utilise personnellement. Parce que tu vois pas mal plus, mais niveau rendement, je trouve que c'est limite le rendement. Tu limites le rendement. Parce que tu uses pas mal plus ta pioche et tu avances excessivement plus lent. Je vais vous montrer c'est quoi que mon frère fait comme minage. Ce sera pas long. Là. Je vais juste finir ma ligne. Parce que raser un chunk, c'est. Il y a beaucoup de monde qui se disent que c'est. C'est ce que de plus rentable, raser un chunk. Oui, raser un chunk, tu trouves tout. Tu trouves tout. Il reste rien. Mais niveau rendement, t'es loin d'être le plus efficace. Ouais, non. Toi, Rino, t'as une technique de cocu, c'est pas pareil. Ta technique, c'est une technique de cocu.
T'as une chance de cocu, c'est pas pareil. Je vais juste décaler ici. On va commencer à faire la méthode à mon frère. Mon frère mine comme ça. Et mine à grandeur comme ça. Ouais, c'est... Théoriquement, comme ça, tu ne laisses absolument rien. Niveau des minerais, tu vois tout. Ce que tu pourrais potentiellement manquer. Mais niveau rendement, je trouve que c'est limite. Parce que tu uses excessivement beaucoup tes outils. Dépendamment, tu consommes aussi beaucoup de torches. Parce que des fois, t'as pas le choix d'éclairer dans le fond. Si tu veux pas qu'une araignée spawn. Mais cette méthode-là, je fais quasiment la même chose, mais je mine un bloc sur deux. Ok, ouais, tu fais ça, tu skips un bloc, puis tu mines comme ça. Ce qui n'a pas du bon de fait. Ce que moi, je faisais, ce que je fais, moi, pareil, là, d'habitude, là, mais là, je suis en mode Balek. Balek. Ça va juste me prendre un peu plus de temps à faire mon stuff en diams. C'est tout. Sinon, on peut se mettre à miner à ligne droite aussi. Là, l'un ou l'autre, là, moi, je m'en fous, en vrai. Ouais, il y a le truc avec la mousse, mais c'est parce que... La mousse, il faudrait que j'ai trouvé une lush cave. J'en ai pas trouvé. Ça use beaucoup de eau. Mais la mousse, en vrai, est théoriquement la meilleure méthode de minage opti. Parce que ça te demande un spawner à squelette, par exemple. Parce qu'il faut de la bonne mille. Il faut beaucoup de bonne mille. Mais sinon, c'est la plus efficace. En vrai, là, c'est la plus efficace avec la mousse. Là, c'est clairement la plus efficace. En termes de rendement puis d'efficacité, là, c'est clairement ce qu'il y a de plus rentable. Bon, allez. Ouais, au prochain live demain, je vais live dans l'avant-midi. Je live dans l'avant-midi demain. En tout cas, heure ici. Je vais essayer de me lever pas trop tard. Parce que je veux live parce que j'ai... Elle est pas encore arrivée. Je fais un... Elle est pas arrivée. Bon, elle arrive dans 10 minutes. Un peu plus de 20 minutes. Ma copine finit de travailler de bonne heure. Fait que j'ai l'intention de faire un petit souper romantique, là... juste tous les deux, vu que c'est le nouvel an, puis on n'a rien de prévu, ni l'un ni l'autre, pour le nouvel an. Fait que je veux faire mon live le plus tôt possible, comme ça je vais pouvoir profiter de ma soirée. Bon. Commence à être gossant. Je pense que je t'avais d'aller miner dans la caverne où est-ce que je vais m'installer. J'ai cru voir quelques diamants, hein, fait que... Je pense que je vais faire. Je pense que je vais faire. Bon, allez me débarrasser de ça, là. Surtout, j'ai pas de fortune. Avoir une petite fortune, là, je serais bien.
Bémol de miner en caverne, les mobs. Les putains de mobs. Je vais me faire une épée en diamant puisque je pense que mon épée est à veille pété. Est à veille. On va par ici. Théoriquement, il y a moins de chances de trouver des diamants en caverne. À cause qu'ils ont une ligne de code qui fait en sorte qu'ils vérifient s'il y a de l'air. S'il y a de l'air, ils ne sont pas supposés spawner. On n'est pas supposé avoir de diamants à l'air. Mais en pratique, je dirais que j'ai trouvé plus de diamants en caverne qu'en minant psy. Oh! Ouais, non, j'ai déjà eu ma dose. J'ai eu la métisse déjà. Je parie sur lui à l'armure, c'était évident. Bon. Ah, on a un mineshaft. Continuité du mineshaft. En vrai, j'ai-tu trouvé un mineshaft dans cette map-là? Pas sûr. Moi, je sais que je l'ai trouvé un dans ma game solo. Hey, faites-moi pas suer. Ok, ouais, il y a le mineshaft, je suis tout de côté, c'est bon. Oh non. Bon, je suis désolé. On finit là-dessus. Je me refais un stuff hors life. J'en ai plein mon casque, je n'ai plein le cul. Désolé. Mais non, ça finit là-dessus. Ah, oh, je suis dégoûté. C'est pas si pire, j'ai tout perdu mon stuff en fer. J'ai perdu ma pioche, mon épée en diamant, j'ai perdu mes 20 quelques diamants. Je vais me faire une armée de pioches en fer. On va faire du minage opti. Je vais faire du minage opti hors live. Je vais me ramasser un full stuff en diamant. Fait que sur ça, une bonne soirée. Parce que là, moi, respawn, oh, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté là. Bon, pour ce qui est de la bouffe, c'est pas un problème. Voilà, bouffe. Bois.
faire. Ah, ça passe pareil au travers. Bon. Je vais mal dormir. Tu vois. Ouais, non, c'est ça. Fait que. Ben. En vrai, je suis dégoûté. Fait que. J'ai rien d'autre à dire. Je suis dégoûté. Pour ce qui est du reste, ben, je vais m'arranger avec, là. Je pensais que ça empêchait de s'étendre la brique. Mais bon, ça a l'air que non. Bon. Ferme la porte. On va redéposer ça ici. Ça aussi. Je vais avoir besoin. Non, j'ai pas besoin de ça pareil. J'ai besoin de faire ça ici. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de farmer du bois. Et j'ai pas de torche. Je vais farmer un peu de bois, le mettre à cuire, puis après ça, je vais y aller. Parce que au moins le bois va cuire hors live. Je vais arrêter le live en mettant le bois à cuire. Puis on va être tranquille pour la prochaine fois. Après, demain, en vrai, demain, on va se refaire. On va se mettre peinard. On va se mettre à. On va faire du minage un petit tranquille. On va se. Je vais m'équiper un peu, là, au moins pour pas crever encore comme une bouse. Surtout que le pire, c'est que j'avais mon seau d'eau, mais pas dans la main. Si je l'aurais eu dans les mains, j'aurais pu m'en sortir. Vu que je l'avais pas, on vit avec. On vit avec les conséquences. Doberman MC, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, même si un petit peu dégoûté d'une mort de con. Petite mort pas agréable. Elle piquait les fesses, cette mort. Bah. Faut que je laisse. Faut que je récupère mes saplings parce que j'ai besoin de refaire pousser un autre gros arbre. Il m'en manque une. Après ça, on va être tranquille. Des sticks. J'aimerais en récupérer un autre pouce. Juste une de plus. Je vais aller faire nourrir mes vaches aussi. Ça, on pourra recommencer à. Parce que là, si je fais un peu plein de choses en même temps, là, mais en même temps, ce que je veux faire, c'est parce que. Ah là là. Ce que je veux faire actuellement, c'est. Être capable d'avoir du cuir en grande quantité. Puis actuellement, avoir du cuir en grande quantité, c'est pas à ma portée. Voilà. Les niveaux, en vrai, je m'en fous. Les quelques niveaux que j'avais. Les 27 niveaux, je pense que j'avais. C'est pas la mer à boire. Vu que je vais chercher un spawner. C'est pas la mer à boire. Là, il va me falloir. C'est comment déjà que ça se craft ça? C'est avec. Ouais, ça se craft avec ça. Je parle un peu chinois là, mais c'est parce que je suis en train de me demander. J'ai du fer sur moi.
Il va m'en falloir deux. Là, ce que je suis en train de faire, c'est faire des blast furnace. Ça cuit plus vite. Je pense pas que ça fait des. Ça transforme le charbon, par exemple. Je pense pas. Parce qu'il me semble que j'ai que le smoker puis le blast furnace. Le blast va me servir pour les minerais. Le smoker pour la bouffe. Puis les fours standards vont me servir pour le reste. Je vais récupérer les dernières bûches de spruce que j'avais. Bon. Oh. On va repartir bientôt en minage. Tiens, donne-moi ça. Voilà. On a besoin de 3. 3 comme ça, de smooth stone. On a besoin de 3. Puis on va pouvoir aller miner. On va pouvoir mettre ça comme ça. Voilà. On va en faire un. Et il me faut un four. Deux fours. Voilà. Donne-moi ça ici. Blast. Ça non, je veux le blast. On va se faire un smoker aussi. Voilà. Blast, blast, smoker. Je vais vérifier si le smoker me permet de faire du charbon. Non. C'est-à-dire que j'ai absolument pas le choix de passer par les fours standards pour faire du charbon de bois. Je pense que j'ai des nanos. Ouais, j'ai des nanos. Bonne mille. Il va me falloir deux seaux. Le reste du fer ici. Il va me falloir un seau d'eau ici. On le garde dans les mains. Voilà. Fait qu'on va récupérer ça. Et on va être tranquille. Parce que là, dans cette version-là de Minecraft, le minerai le plus rare, c'est le charbon. Il faut miner à des couches plus précises. Il faut miner haut. Même chose pour le fer, il faut miner très haut. Le fer, c'est pas si pire, en vrai. On est limite niveau fer, mais c'est correct. Je devrais être pas si pire. C'est pas. Je vais pas me faire une armure ni rien de ça là. Vu que mon but c'est de faire un full diams. Mais aujourd'hui finalement le full diams ça se tentera pas. On va le faire demain. On va prendre notre temps, on va se. Je suis équipé là pour faire du full diams. Fait qu'on va partir miner, puis on reviendra que lorsqu'on aura nos 32 diamants. Voilà. Fait que sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain en avant-midi pour plus d'aventures. Tchuss.